Hello, bonjour et bienvenue dans ce focus. Salut. Sur Kitsu, un jeu de Thomas Favrelière, un jeu de Greux Games illustré par Nayad. J'aurais dû m'en douter. Un jeu pour 2, 4 ou 6 personnes strictement, et ça c'est vraiment très cool. Oui. Pour des parties de plus ou moins un quart d'heure, je m'aide, hein, je penche la tête comme ceci. Oui. À partir de 10 ans, oui, nous sommes d'accord avec cette information pour avoir testé le jeu à plusieurs reprises et sous différentes configurations. Oui. C'est important pour ce genre de jeu. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu de pli. Et des jeux de pli, bah, suivant le nombre de joueurs, en général, ça change vraiment les sensations de jeu. Il y a plein de jeux, ils vous disent, bah, ce jeu, c'est 2 à 4 joueurs. Et vous rendez compte qu'à 3-4 joueurs, c'est super bien, et qu'à 2, c'est sans intérêt. Et bah, c'est pas le cas de Kitsu. Enfin, je tiens vraiment à appuyer là-dessus. Comment est-ce qu'on joue à Kitsu ? Oui. On va jouer en équipe, donc des équipes de 1-1, bah, quand on joue à 2, il n'y a pas d'équipe, hein, on est en face à face, mais à 4, on joue à 2 contre 2, à 6, on joue à 3 contre 3, tout simplement, ouais. Équipe rouge contre équipe bleue. Le but du jeu, emmener ces petits Kitsu, ces petits esprits renards, le long de ce chemin qui est le chemin de la sagesse, pour arriver au sommet du mont Fuji, pour atteindre la sagesse absolue, mais deux fois. La sagesse absolue, sachez-le, c'est pas une fois, c'est deux. Ça va donc se jouer en deux manches gagnantes. C'est ça. Il y a des petites cartes de manches gagnantes que je n'ai pas sorties, mais bref, vous le savez. On va avoir des cartes que l'on va distribuer selon une mise en place qui nous est indiquée. Je vais montrer ça parce que c'est vraiment cool. Oui. Hop là, ici par exemple, bah, j'ai fait une mise en place pour deux personnes. J'espère qu'on va c'est bon, t'inquiète. Ça fait calme. Ouais. Et si jamais on avait voulu jouer à 6, eh bien, il suffisait de se référer à ceci. On le pose sur la table et on connaît la mise en place. C'est vraiment pratique. C'est cool. Parce que de l'avoir. Parce c'est pas souvent, sorcier la mise en place. C'est le genre de truc qu'on va chercher dans les règles. Ouais. On se dit, putain, mais c'est où, c'est pas possible. Complètement. Après, là, il y a une carte qui le visualise, donc c'est très bien en fait. C'est, c'est pas sorcier. En cherchant, on aurait fini par trouver. On gagne un temps précieux. C'est toujours agréable de voir des petits soucis d'édition comme ceci. Greux Game le fait souvent. On va chercher des petits détails pour nous faciliter la vie. Oui. On va donc avoir une mise en place particulière. On va nous indiquer de piocher plus ou moins de cartes chacun. Alors, en général, je le fais grossièrement là. On a joué à 2 et à 4, notamment. Ouais. À 2 et 4, en fait, vous distribuez 6 cartes à chaque joueur. Hop là, c'est ce qu'on va faire là. Exactement. Donc là, en fait, donc là, on a distribué 12 cartes sur les 48, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et du coup, bah, mettons, à 2 joueurs, il reste encore la moitié du paquet. Mais à 4 joueurs, par contre, on aura distribué toutes les cartes. Petit détail, notamment quand on joue à plusieurs, c'est que quand on joue en équipe, on va, avant de commencer une partie, échanger une carte avec son allié. Donc du coup, ça c'est cool, ça permet aussi de refiler des cartes adverses, entre guillemets, enfin de couleur adverse. Ou donner des infos. Voilà, exactement, de refiler des cartes de notre couleur à notre allié. En équipe, c'est vraiment un jeu qui vous donne énormément de clés pour lire le jeu. Alors, vous savez jamais précisément qui a quoi en main, oui. Mais vous avez quand même des clés pour anticiper un minimum, si vous faites attention, évidemment. Équipe bleue. Équipe rouge, ouais. Vous avez votre petite carte devant vous qui vous rappelle et qui rappelle aux autres joueurs dans quelle équipe vous êtes et qui servira à aller placer les petits pouvoirs, on va y revenir. Sinon, bah, c'est un jeu de pli, chacun notre tour, on va jouer une carte. Il y a des cartes de l'équipe rouge, il y a des cartes de l'équipe bleue, moi alors, je suis dans l'équipe bleue. C'est du orange, hein, je précise. C'est du orange, oui, lui est rouge. Ça me perturbe. Moi je le vois orange. Bah, tu le vois orange, et bien je vais dire orange à partir de maintenant. Ouais. Je sais que moi les couleurs c'est pas toujours ça. Je peux jouer donc une carte de ma couleur, ici en l'occurrence bleu, ou une carte de la couleur de l'équipe adverse, ici en l'occurrence le orange. Tout à fait. L'idée c'est qu'à 2, à la différence de 4, forcément, c'est qu'on va jouer 2 cartes, chacun notre tour. Donc du coup là par exemple il a joué orange, je pourrais me décider de jouer un 6 bleu, parce que j'estime que j'ai plus ou moins envie de le faire avancer, qu'importe. Si on est plus nombreux, on joue une carte chacun. Là, on joue à deux, donc on fait la présentation pour jouer à deux. Bah, moi, je vais jouer du coup une deuxième carte. Alex va jouer une deuxième carte. Je vais jouer cette carte-là. On va regarder l'écart qu'il y a. Donc ici, bleu, nous sommes à 6, plus 3, nous sommes à 9. Ici, orange, nous sommes à 2 et 2, 4. Il y a donc un écart de 5. Je vais donc, moi, bleu, progresser de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc le joueur, en fait, qui a, entre guillemets, remporté le pli, a une somme de cartes de valeur supérieure, entre guillemets, à notre équipe, va avancer de la différence par rapport à l'autre couleur. Donc c'est vraiment pas très compliqué à calculer. Les cartes après sont défaussées et on enchaîne en sachant qu'à 2 on va toujours repiocher 2 cartes entre chaque manche. Là où à plus nombreux évidemment on ne repioche pas. Petite chose à savoir, là je suis super content, j'ai avancé de 5 cases, oui, mais c'est un jeu qui vous demande d'être équilibré, d'être mesuré. Le jeu va du coup récompenser Alex ou l'équipe orange en donnant accès à l'un des pouvoirs. À partir du moment où une équipe va avancer d'au moins 4, l'autre équipe va gagner un pouvoir qu'elle peut stocker devant un joueur et utiliser juste avant de jouer une carte. Ça va faire un effet qu'on va vous expliquer de suite.
Bon là par exemple, on peut vous expliquer rapidement les jetons. Là vous avez un jeton qui permet notamment d'inverser les couleurs. C'est-à-dire que maintenant les bleus sont considérés comme orange et inversement. Vous avez une carte qui permet ici, notamment grâce à ce jeton, de jouer une carte face cachée. C'est plutôt cool, vous la révélez à la fin. Donc c'est plutôt cool. Vous avez une carte avec une main comme ça qui indique que le gagnant finalement n'avancera pas durant cette manche. Vous avez une carte qui permet d'aller chercher une carte parmi les cartes défaussées à la manche précédente. Et vous avez une tuile qui permet de faire un plus 3 bleu ou un plus 3 orange. Usage unique. Tout à fait. Ça peut faire vraiment la différence. Donc quand vous prenez de l'avance, prenez de la vraie avance. Avancez juste de 4. Finalement, c'est peut-être pas si bénef que ça. Parce que derrière, vous pouvez prendre un gros pouvoir dans la tronche. Faut être vraiment sûr de ce que vous faites. En sachant effectivement, comme tu as dit, on peut en avoir qu'un par équipe. Donc là, forcément, bah, je suis seul dans mon équipe, mais on peut en avoir qu'un. Donc il faut pas trop thésauriser les pouvoirs, parce qu'au fur et à mesure, si vous échouez beaucoup, bah, vous récupérez pas autant de pouvoirs que vous voulez. Il faut à un moment les utiliser, quoi. Complètement. À côté des pouvoirs, il y a également des cartes. Oui, des cartes spéciales. Il y en a 3. Il y en a 3 différentes qui existent en 2 exemplaires chacune. Donc tout à fait. Vous pouvez relativement les voir venir à 2. Elles apportent un petit peu de chaos finalement. Il y a plus de chaos, c'est pas gênant d'anticiper, parce que ouais, comme il reste des cartes dans le paquet, on peut commencer une première manche où il y a juste 0 carte ouais, spéciale de sortie. Autant un joueur peut avoir bah, toutes les cartes spéciales dans sa main. Carrément. C'est rare, mais c'est, je pense, une possibilité. Ça va pas non plus vous faire forcément gagner, hein, sachez-le. Non, c'est vrai qu'avoir que des cartes spéciales dans sa main, c'est pas fou. Bon. À plus nombreux, on peut déjà un peu plus les voir venir, les sentir venir. Dire, oula, s'il y a tel type de carte qui tombe, sachant qu'il y a une probabilité que quelqu'un l'ait dans la main, vaut oui, peut-être mieux pas que je joue ça, ou vaut mieux peut-être que je joue ça histoire de tempérer. C'est les ça, cartes pouvoir sont, hop là, le pouvoir de changer de couleur. En fait, ça correspond à cet effet, oui, hein, finalement. Donc si c'est orange qui gagne, ben, finalement c'est bleu et c'est inversement. C'est ça, les cartes orange deviennent bleues et les bleus deviennent orange. Si je joue ceci, j'oblige la personne suivante à jouer une carte de ma couleur à moi. Si elle peut, si elle peut pas, tant pis pour moi, j'ai un peu joué ça dans l'air, dans le vent, parce qu'en plus, bah, les cartes de pouvoir, elles ne font pas de la progression, elles n'ont pas de valeur. Et la dernière, c'est le petit coup de katana. Je la joue, et dans la zone d'un autre joueur, attention, pas chez moi, je vais pouvoir éliminer une carte, tout simplement. Ça, c'est cool. Ouais, c'est très cool, il faut bien l'utiliser, il faut pas être bourrin. De toute manière, le jeu est assez dans la finesse, je trouve. Oui. C'est ce qui nous a plu, quand même, très honnêtement. C'est vrai. C'est pas un jeu de gros bourrin, les pouvoirs sont vraiment utilisés au bon moment. Vous pouvez avoir tous les pouvoirs, toutes les cartes et toutes les grosses cartes et faire franchement n'importe quoi. Et ça se ressent encore plus quand on joue en équipe. Chose importante là, c'est qu'on a montré la version proto qui nous a été envoyée. Donc ce que vous avez là, là il y a des cartes qui sont slivées, les sleeves sont pas à l'intérieur, c'est juste slivé parce qu'en vrai c'est juste des trucs qui ont été imprimés et qui ont été mis par-dessus des cartes vierges. Donc c'est pas le matériel final. Nous on l'a vu, la boîte finale, c'est quand on était chez BlackRock. Ça claque parce qu'ils ont mis des petites dorures. Le plateau un peu mal découpé, vous laissez tomber, hein. Le truc il est vraiment nickel. Les petits jetons sont évidemment de meilleure qualité que ce petit carton là, pas suffisamment épais à mon goût. Je crois des dorures, des couleurs qui flashent, c'est vraiment très bien édité, un joli jeu. Ça fait pas tout. Un petit prix aussi, parce que ce sera 15€, puisque c'est le même format que Synchro qui est ici chez les mêmes éditeurs du coup. Du même auteur, hein, Thomas Favrolière. Et du même auteur aussi. Je pense avait cette idée de carte, de couleur, de valeur, et finalement un petit peu décliné. Synchro, jeu coopératif, Kitsu, en équipe, mais en affrontement. Ouais. Ça crée une petite gamme de jeux vraiment, vraiment très très cool. Hein. Ouais. On le voit pas là, mais en temps normal, à la boutique, hop là, il y a mon petit coup de cœur dessus. Bien sûr. Pense qu'il y aura mon coup de cœur ou le coup de cœur de l'équipe sur Kitsu, c'est à peu près certain. Ouais, je suis pas encore sûr, enfin... Je saurais pas trop le mettre dans les petits jeux de cartes là, ou s'il faut le même limite de le mettre dans le jeu à deux, c'est parce que c'est un jeu qui joue très bien à deux, mais qui joue toujours par paire. Ouais, ouais. J'avoue ouais, qu'il a sa place vraiment dans une catégorie un peu spéciale, parce qu'on peut pas y jouer à plusieurs, on peut y jouer à plusieurs, mais dans une configuration précise. Oui. Pas y jouer à 3 ou à 5. Ça va être, oui, effectivement. Voilà. Mais bon, on vous l'a dit, à deux on a trouvé ça très cool, très convaincant. Ouais. Moi, je préfère quand même quand on joue à plus nombreux. Je trouve alors, que 4, c'est vraiment cool. 4, c'est vraiment c'est très bien. Fonctionnel. Je pense que 6, ça doit être très tricky de savoir comment tes alliés, parce qu'il y en a deux autres, ouais, qui vont jouer aussi. Ouais. Savoir quelles cartes ils sont susceptibles de jouer. Puis après, t'as beaucoup plus de cartes qui vont être jouées à ce moment-là, donc il faut anticiper ce que les adversaires aussi ont joué. Faut bien ajuster sa main, je pense, parce qu'avec les deux autres alliés, faut quand même savoir jouer. À 6, faut pas que ça soit 6 joueurs. Enfin, si, ça peut, hein, mais si vous êtes 6 joueurs qui appréhendent le jeu pour la première fois, ça risque d'être un peu chaotique. Ouais. C'est pas grave, ça vaut le coup d'insister, très honnêtement. Mais c'est ça qui est chouette, je trouve que le jeu a une prise en main peut-être chaotique au début, mais en fait on apprend très rapidement de ses erreurs, on sait qu'il y a des cartes qu'on a jouées au mauvais timing, et plus le timing se refait, entre guillemets, plus du coup le jeu prend du sens en fait. Donc faut pas vous, comme beaucoup de jeux en fait, faut jamais se faire une mauvaise impression sur la première partie, parce que finalement bah, le jeu a énormément de profondeur avec un matériel plutôt minimaliste.
Je pense que tout est dit. Ouais, c'est carrément. Kitsu, ça sort le 6 septembre si tout va bien. Oui. En attendant, on vous dit à bientôt chez GDK Bordeaux. Et 3, 2, et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, j'adore les chiffres. Je les fais tous dans l'ordre. 3, 3, 7, 7, 8, 2, 9, 1.